Pas hésiter à faire ça couler à même. Like vidéo, abonne à la chaîne là. Et en plus de ça, active la cloche notification. Il y a une façon pour ne pas rater. Puis il y a une nouvelle vidéo qui n'a pas la gueule. Eh bien, let's go! Mission principale force armée en pays, c'est défendre tout territoire pays ça. Tant qu'aux frontières, espace aérien et espace maritime. Ça veut dire la mer. Yo là tout pour capable participer dans le développement nation. Et bien c'est ça qui fait majorité gros force armée qui gagne dans le monde là, divisé en trois parties. Avec armée terrestre qui là pour défendre tout ça qui gagne sous terre. Par exemple frontière terrestre. Armée maritime qui là pour défendre les eaux du territoire. Ça veut dire défendre espace la mer qui pour pays. Avec armée aérienne qui là pour défendre espace aérien pays ça. Faut ça me connait une mission tout pour aller bay coup de main à l'autre pays qui en bouleverse tant pour les guerres civiles à l'autre problème qui mettait en difficulté sécurité nation ça. Et bien c'est ça fait dans vidéo ça, moi vinn présenter aux 10 plus grosses forces armées qui gagne dans monde là. Moi invite à regarder vidéo jusqu'à la fin et puis wap saisi ouais pays ou pas même penser gagner gros force armée. En 10e position, nous gagnons l'armée brésilienne. L'armée brésilienne, nous connaissons l'armée pays Brésil, qui est un pays qui se trouve en Amérique du Sud et qui a une population qui est évaluée à 209 millions d'habitants. L'armée brésilienne a 1,67 millions de soldats qui font partie de l'armée. Elle a 437 chars de combat, 43 avions de chasse et 112 bases navales qui sont actives. Et bien, la MESA a gagné un budget qui est évalué à 27,8 milliards de dollars, comme 10e l'armée qui est puissante dans le monde. En 9e position, c'est l'armée égyptienne. L'armée égyptienne, nous connaissons l'armée pays l'Égypte, qui a une population qui est évaluée à 99 millions d'habitants. L'armée égyptienne a gagné 920 000 soldats qui constituent l'I. Elle a gagné 4295 chars de combat, 215 avions de chasse. À 316 bases navales qui active ça le dit côté yo réfugié. En plus de ça, yo gagne deux portes avions. L'armée égyptienne nan gagne un budget pour défendre yo qui est évalué à 11 milliards de dollars. Huitième pigo armée qui gagne dans mode là c'est l'armée britannique. L'armée britannique là constituée de quatre nations qui viennent ban nous le Royaume-Uni. Et bien, quatre nations, ça aussi, l'Angleterre, le Corse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et bien, Royaume-Uni a une population qui est évaluée à 65 millions d'habitants. L'armée britannique est constituée d'environ 275 000 soldats. Elle a 227 chars de combat, 133 avions de chasse et elle a 88 bases navales qui sont actives à qui ont porte d'avion. L'armée britannique a un budget qui est évalué à 55 milliards de dollars, qui fait que c'est la 8e plus grande armée du monde. 7e armée qui est plus grande du monde, c'est l'armée française. Nous connaissons l'armée pays la France, qui a une population qui est estimée à 67 millions d'habitants. Eh bien, l'armée ça a 451 600 soldats là-dedans, avec 528 chars de combat, 269 avions de chasse. Et il y a 180 bases navales qui sont actives, ça veut dire base cap fonctionner avec 4 porte-avions. L'armée française a un budget de défense qui est évalué à 41 milliards de dollars, comme 7e plus grande armée du monde. 6e plus grande armée du monde, c'est l'armée sud-coréenne, qui est l'armée pays Corée du Sud. Et bien, Corée du Sud, c'est un pays qui trouve dans le continent asiatique, là, et pas trop loin voisin, qui c'est la Corée du Nord. Il y a une population qui est évaluée à 51 millions d'habitants. Eh bien, il y a environ 3,6 millions de soldats qui constituent l'armée sud-coréenne, soit 8% des populations. L'armée sud-coréenne a gagné actif 2614 chars de combat, 414 avions de chasse, il y a 234 bases navales qui sont actives avec un porte-avions. Budget de défense. L'armée sud-coréenne est évaluée à 44 milliards de dollars, comme 6e plus grande armée du monde. 5e plus grande armée du monde, c'est l'armée japonaise, qui est l'armée pays Japon, qui est un pays qui trouve aussi dans le continent asiatique. Et si on a un pays tout qui était saccagé par une grosse catastrophe naturelle, qui était un tsunami, ça n'a pas gagné un peu de temps. Japon a une population qui est estimée à 126 millions d'habitants.
et l'armée japonaise a li gagné 3150 soldats qui constituent l'armée ça. Yo gagné 1004 chars de combat, 279 avions de chasse et puis 155 bases navales qui actif. Ça nous pas oublier que yo gagné 4 porte-avions. L'armée japonaise li gagné un budget qui évalué à 49 milliards de dollars qui fait le considérer comme 5e plus grande armée du monde. 4e plus grande armée du monde, c'est l'armée indienne. L'armée indienne, nous connaissons que c'est l'armée pays l'Inde. Eh bien, l'Inde, c'est un pays qui est plus peuplé dans le monde. Il y a une population qui est évaluée à 1,3 milliard d'habitants. Et parmi tout le monde, il y a environ 3,4 millions de soldats qui constituent l'armée indienne. Il y a 4,292 chars de combat, 538 avions de chasse et puis yon gen 285 bases navales qui actifs ak yon porte-avions. L'armée indienne nan li gen un budget de défense qui évalué à 61 milliards de dollars comme 4e plus grande armée du monde. 3e plus grande armée du monde c'est l'armée chinoise. La Chine nous connaît ce pays qui toujours garde les États-Unis dégagé. En plus de ça, selon toute dernière estimation, l'État est même considéré comme première puissance économique mondiale. Eh bien, pays la Chine a une population qui est estimée à 1,4 milliard d'habitants. L'armée chinoise est constituée de 2,7 millions de soldats. Il y a 3500 chars de combat et 1232 avions de chasse. L'armée chinoise a 777 bases navales qui sont actives et un porte-avions. Eh bien, budget pour défendre, ça veut dire acheter munitions. L'autre matériel accampit l'autre bagage encore, il est évalué à 237 milliards de dollars, comme 3e plus grande armée du monde, qui c'est l'armée chinoise. 2e plus grande armée du monde, c'est l'armée russe, qui c'est l'armée pays la Russie. Eh bien, pays la Russie a une population qui est évaluée à 142 millions d'habitants. En plus de ça, l'armée russe là, il gagne 3 millions de soldats qui constituent lui. Il gagne 12 950 chars de combat et 603 bases navales qui actifs. Et bien l'armée russe là, il gagne un budget de défense qui est estimé à 48 milliards de dollars comme deuxième plus grande armée du monde. En première position, c'est l'armée pays les États-Unis qui c'est plus grande armée du monde. Eh bien, les États-Unis, ils ont une population qui est évaluée à 329 millions d'habitants. L'armée américaine là, ils gagnent 2,1 millions de soldats qui constituent lui. Ils gagnent 6289 chars de combat, 2095 avions de chasse et 490 bases navales qui actifs. En plus de ça, ils gagnent 24 porte-avions. L'armée américaine a un budget de défense qui est estimé à 750 milliards de dollars comme plus grande armée du monde. Ou bien, on peut considérer comme première l'armée du monde. L'armée qui est plus puissante dans le monde. Qui c'est l'armée pays, les États-Unis.